Athéna. Hello. Coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors aujourd'hui, on va partir vers un truc de dingue. On fait la suite de notre séjour, mais avant ça, on va prendre le petit déjeuner. Youpi. Voilà, comme on avait des choses qui nous restaient à manger, on va le manger ici tranquillement, on mangera bien sûr d'autres choses plus tard dans la journée, mais autant ne pas gâcher. Donc un petit yaourt que Athéna n'avait pas terminé, à la fraise, plein de petits fruits, des raisins, du melon, de la pomme, de l'ananas et puis du petit Nesquik. Ça vous va? Oui. Bon, alors bon appétit les filles. Merci, ça c'est ça. On partira faire de nouvelles aventures. Et on va peut-être aller faire un tour à la piscine quand même pour voir comment elle est, même s'il a plu et qu'on n'a pas pu se baigner. Coucou à tous, c'est parti pour une journée du tonnerre. Voilà notre chambre d'hôtel. Coucou les filles. Donc on va faire un petit tour d'abord juste pour voir la piscine. Regardez comme c'est beau. Et ça tombe gazon. Hein. Alors Athéna qui joue avec ses petites bulles. Là il y avait une petite aire de jeu. Malheureusement on va devoir partir donc on va pas pouvoir jouer. Mais il pleuvait hier donc il faisait un petit peu frais aussi. Alors tu peux pas y rentrer. Ah c'est ça la petite piscine. Ah elle est pas si grande hein. Il n'y a pas de toboggan. Alors lui il fait du hoverboard toute la journée, vous allez voir, il tond le gazon sur un hoverboard. Bon. Tranquille. C'est bien de faire du hoverboard toute la journée. Allez, on quitte notre hôtel magnifique et on va nous prendre notre voiture pour nous amener dans un endroit magnifique. Et ça y est, on est en route vers la grosse surprise et là on s'est fait rentrer dedans tout à l'heure. On a eu un tout petit accident mais ça fait un boum, un gros boum. Ça va les filles? Ok. On va se baigner. Oui, mais pas dans la mer. Ah, un gros bateau. Ah. On va faire une croisière. Ah, et il y a quoi sur le bateau? Mickey. Ah. On va faire une croisière, Mickey. Oui. Youpi. Regarde, il est énorme le bateau. Regardez bien, petit copain. Il est très grand. Oh, il y a des toboggans sur la terrasse. Oui, je sais. C'est trop rigolo. Il y a un toboggan sur le bateau. En plus, c'est un toboggan aquatique. Je l'ai déjà vu dans une vidéo. Alors, ça vous plaît? On va s'éclater? Ouais. Cacho. Oh. On va aux Bahamas. Bahamas, c'est quoi? Et on va aller sur l'île de Mickey. Parce que Mickey, Disney, a une île. Et on va dessus. Youpi! On va dans 4 jours dans le bateau. Oui, 4 jours. On va dormir dans le bateau. Sur le bateau. Oui, on va dormir dans le bateau. Ouais. Et on va se maquiller, on va faire Halloween sur le bateau. Ah ouais! Ah ouais! Et on va faire des toboggans d'Halloween dans le bateau. Oui! C'est le Disney bateau! Et ben voilà, je pense qu'on va s'éclater. Pas allez, rendez-vous tout de suite pour embarquer sur le bateau. Ou peut-être on va faire un petit tour déjà à l'extérieur avant d'embarquer à Cap Canaveral. Faut pas avoir le mal de mer. Ni le mal de père. Ni le mal de fille. Ni le mal de garçon. Disney Cruise Line. Vous allez embarquer, filles. Ça y est. On arrive. On entre. À bord du bateau. Voilà, ça y est, on y est. Attention. Allez, vas-y, Calice, pose ton pied dessus. Oui, welcome aboard. Bravo, Athéna, tu es sur le bateau. Disney Dream, please welcome aboard the Studio Bubble Tea. Thank you. Ouais. Wow. Trop beau.
T'as vu un peu comme c'est beau? On va faire Halloween sur le bateau. Regarde, ça devient un personnage. Oh, regarde Mickey. Mini plutôt. La mini, mini Joconde. Mini Joconde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. On est, je pense, les premiers youtubeurs français à faire la croisière Disney Cruise Line à bord du bateau. On va se perdre là, on est déjà en train de partir. Le bateau est énorme, il fait, je sais plus, 10 étages, je crois. Et là, c'est le lounge. Attends, est-ce que ça te plaît, les perdus là pour... Ouais. Ça te plaît, hein? C'est magique. C'est magique. Et on va aller aux Bahamas comme ça, on va aller sur l'île de Mickey, on va dormir 4 nuits sur le bateau. Je sais pas où on arrive là, on se balade, mais non, on découvre, c'est magnifique. Waouh. Ah là, nous allons au bar. Ah là, il y a aussi des concerts ici. Révolution. Wine and Champagne Bar. Pour boire du vin et du champagne. Ah bah non, merci. C'est trop beau. Alors peut-être que pendant que vous serez au club enfant, les filles, parce que nous, enfin moi en tout cas, les adultes n'ont pas le droit d'aller dans le club enfant. Donc moi, peut-être que j'irai boire un coup de champagne. Regarde où est-ce qu'on est. Alors. Tu vois, regarde, 13 étages. Voilà, l'aquadoc. Ah ouais. C'est le toboggan qui fait le tour du paquebot. Ah ouais, on monte, on y va. Il y a une autre piscine où il n'y a pas de toboggan. Il y a aussi un petit toboggan en plus, je crois. Voilà, bon bah on va découvrir ça au fur et à mesure, hein. On va faire un room tour. Bon, je pense que le room tour c'est assez facile et rapide parce que c'est qu'une cabine de bateau, mais je pense qu'elle va être jolie quand même. Allez, on passe sur le pont. Waouh, c'est énorme. On est qu'au 4e, on n'est pas au 13e, hein. Mais déjà on n'a pas trop envie de sauter. Alors ça, ce sont les chaloupes de secours, on va dire. Les chaloupes de secours, c'est des vrais bateaux déjà. Ah oui, ça c'est pour pousser les palets. Je ne connais pas la règle du jeu, mais en fait vous poussez les palets sur les chiffres. Ah, trop loin. Oui, 10. Ah, oh, Mickey. Bonjour Mickey. Merci de nous accueillir sur ton bateau. Alors, 70, 58, nous sommes au 7e étage. Attention, vous êtes prêtes les filles? Oui. On ouvre la porte. Allez-y, room tour du bateau Dream Disney. Wow. Welcome aboard. Ah ouais. Alors, il y a un lit, il y a un lit. Ah oui, on marche. Pourquoi il y a celui-là? Ah parce qu'il doit faire. Ah oui, celui-là il fait le canapé lit. D'accord. Nous avons. Oh, ça s'ouvre. Un coffre pour mettre un trésor. Non, c'est une... Le coffre au trésor des pirates des Caraïbes. Pirates des Bahamas. Non. Et... Pirates des Caraïbes. Et là, nous avons notre propre balcon. Youpi. Bah, c'était... Ah, attention, ah, par contre, on ne grimpe pas. Hein. Attention de ne pas tomber dans l'eau pour s'approcher, bien sûr. Donc ça, ce sont des chaloupes de secours. En plus, elles sont même couvertes. Même si on était en plein milieu de l'océan, on n'aurait pas froid. On est à l'intérieur. Alors, il y a une télé, bien sûr. On n'aura pas forcément le temps de regarder la télé. Et il y a un livre. Et beau photo. Hello. Ils sont mignons. Et... Voilà, oui, il y a même une baignoire dedans, c'est dingue. Mignonne, un petit lavabo. Comment ça s'allume? Je cherche la lumière. Ah, ça y est, on y est. Un petit évier, tout mignon. Minuscule. Ok, ouais, c'est trop cute. Oh, très gros. Papa, regarde. Okay. Ah oui, d'accord. On peut mettre de l'eau partout, en fait. Regardez, il n'y a rien qui touche le sol. Et il y a de l'eau qui part. Pas la petite grille en dessous, si jamais il y a de l'eau ici. Si jamais ça bouge beaucoup, tu prends un bain. Si jamais le paquebot il bouge comme ça, et que pff, la baignoire elle se déborde, ça peut arriver. Du coup, bah, il y a là, il y a ça. Ah, cool. C'est bien, hein. Et là, ça va être pareil. Oui, exact. Regardez. Si jamais ça bouge beaucoup et qu'on tombe dans la toilette et qu'on plouf, alors on met de l'eau sur le côté, et la petite grille là-bas. Ouais, c'est mignon. Je suis jamais allé sur. J'ai jamais fait de croisière. Vous, oui, déjà. Une. Je vous dirai plus tard, dans plusieurs jours. Quelle croisière vous aurez préféré? Alors, en tout cas là, c'est Mickey. Hein. Déjà, c'est autre chose. Hein. Ouais. On va voir tous nos personnages Mickey. Bon, ouais. En tout cas, la room tour, c'est rapide. Maintenant, on va aller manger un bout, ça vous dit? Ah ouais, j'ai trop faim. Alors, pour manger, en fait, bah, tout, je pense que c'est comme toutes les croisières, c'est gratuit. Toi aussi, la dernière fois, c'est gratuit? Je sais pas. Tu vas dans un restaurant et puis c'était gratuit?
Ouais, c'est gratuit. C'est ça. Compris dans le prix, bien sûr. Oui. Voilà. Mais on mange autant qu'on veut, c'est un buffet et puis. Oh cool. À table. Et dans différents restaurants. Voilà. Caliste. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Saute, attention, vous ne peignez pas sur la cabine du dessus. C'est la place. Oh, ouais. Parce que là, il n'y a pas trop la place. Alors, on va aller déjeuner au Cabanas, notre premier repas sur le Dream. Oh! Allez, c'est ici qu'on descend. Et là, regardez, la piscine est là. Regardez, regardez, regardez au-dessus. Tout à l'heure, on fera l'aquaduc, le toboggan. Et il y a même des dessins animés pendant que tu fais de la piscine, Calice. Il y a un petit toboggan aussi, là. Alors, sympa? Waouh! Cette chanson, c'est la Reine des Neiges. C'est énorme. Là, c'est le petit bain. Là, tu dois avoir pied, là. Un jacuzzi avec vue sur la mer. Pas encore, mais bientôt. On n'a pas encore quitté le port. Bon, on va chercher où manger. À la fin de cette vidéo, on verra ce que ça donne vu de l'intérieur. On va le faire évidemment avec la GoPro. Nemo Drift. Le tailleur vient rentrer dans le restaurant Cabanas. Hey. Ça, c'est la partie sucrée. Donc là, buffet, pizza, entrée, des nuggets, des pâtes, différents pains, différents plats chauds, du saumon, du poulet, de la purée, du steak, des asperges, des frites, du fromage, des sandwichs, des crevettes. Il y a des pinces de crabe. Oh, c'est sympa. Hein. Là, c'est pour faire notre propre salade. Il y a des moules. Il n'y a plus qu'à manger. Ouais. On est parti. Allez, go, on va prendre un plateau. Oh. Bon appétit, Athéna. Merci. Ah, petit pizza. Allez, des petits légumes quand même. Ah, ça y est, c'est bien. T'as pris plein de petits légumes, de pois chiches. C'est très bien. Hein. Et voilà, moi, poisson avec la pince de crabe. Donc là, on vient du restaurant. Athéna se cache. Coucou, Athéna. Là, nous avons un grand Mickey. Là, nous sommes donc au 12e pont. Et il fait super beau. Wow. Il y a plein de soleil, plein les yeux, c'est trop fort. J'ai vu l'arrivée du toboggan. Ah. D'accord, là c'est l'arrivée du toboggan. Ça a l'air sympa. On va voir là-haut. Ah oui, il y a un terrain de basket, je crois. Bientôt, il n'y aura plus que de l'eau tout autour de nous. Donc je filme un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Aux alentours, nous sommes en Floride, hein. Nous sommes à Cape Canaveral, là où il y a des bateaux et des fusées, quoi, en gros. On peut jouer au baby-foot, on peut jouer au basket. Ici, au 13e étage, c'est le sport, en fait. Là, on peut jouer au mini-golf. Il y a un mini-golf. Cap ou pas cap? On fera une partie. Là, c'est la déco, ça. Hey, le mini-golf avec le bateau qui bouge, tu sais, la balle à faire boum, boum. Ça va être drôle. Il y a plein de trucs. Fun Halloween surprises we have in store for you. Oh, on a de la lecture. C'est de la physique, ça. Toi qui adore la physique et les maths. Oh, du chocolat chaud. J'ai récupéré plein de trucs dans ma valise et j'ai déjà fini. Ça, c'est pour récupérer les balles, hein, d'accord. Bon ben voilà, allez on continue notre petite visite. La piscine a une forme de tête de Mickey. Ah, là il y a le toboggan. On va bien s'amuser. Donc là on est de l'autre côté du bateau. Là il y a un petit peu moins de monde par là. On a fait surtout pour se poser, il y a des chaises longues très confortables. Regardez par là. Et là, ce que je vous disais, voici la piscine, mais il n'y a personne. Donc il y a le bar qui est juste ici.
j'ai mon café. Mais l'eau n'est pas chauffée, donc il n'y a personne dans l'eau. Et il n'y a que des adultes, il n'y a pas d'enfants. Parce que là, il n'y a pas de maître nageur. Voilà. Par contre, il y a un bar, ça c'est clair. Et donc, ce qui est bien, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, c'est que Athéna, montre-moi ton bracelet. Voilà. Athéna a un magnifique bracelet, Calice aussi. C'est bien qu'on ne peut pas, elles ne peuvent pas se perdre. On peut les géolocaliser dans le bateau à un mètre près, qu'elles soient au 8e étage, au 3e, au 13e. Alors, devant, que ce soit derrière le bateau, on peut vous retrouver facilement avec l'application, on peut tout faire avec l'application, comme pour les parcs. Donc là, effectivement, c'est réservé aux 18 ans et plus, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'enfants. Oh, vous n'aviez pas le droit. Bon, en tout cas, vous avez visité au moins. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit d'y aller, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans la piscine. Ah, c'est Mickey qui nous indique où on est avec son petit doigt. Oh, oh, c'est bien. Là-haut. Embryon. Dumbo. Jackie, here, can you see the pictures? Yes. Incredible. Now this Connell. Là, il y a la célébration, il y a la fête du départ. La fête du départ, et après on ira bien sûr à la piscine, on finira cette vidéo avec le toboggan. Surtout, allez, on continue. Ouais, 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 ouais.
parti, on quitte la terre. Et pendant ce temps, Alice et Athéna attendent de faire le toboggan. Les vacances à la croisière commencent maintenant. Coucou Athéna, c'est parti. Glace à volonté, glace à gogo, c'est bien ça. C'est parti Calice, on va tester pour la première fois la queduc. La petite bouée, tous les deux et après je ferai avec Athéna. Tu peux pas le dire avec Athéna parce que t'es trop petite. Ça va être très beau. Attention, il y a le départ. Parti. Ouais, trop cool. Allez, c'est parti. Ah, oh, mais elle est jolie. Ouais, 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 attention. Ah, c'est tranquille, un petit virage tranquille. Alors à gauche il y a l'océan, à droite il y a Athéna dans Nemo. Bonjour les gens, ça va Calice? Ouais. C'est super génial. Attention. Dernière jante. Et voilà. Yes. Oh, par contre, là, il fait froid. Vite, et allez. Allez, autour d'Athéna. Essayez, regarde. Tu vois, il n'y a personne. On n'attend plus que nous. Donc, tu te mets devant, Athéna. T'es prête, Athéna? Ok, go. C'est parti, Athéna. Ouais, il y a l'océan devant, tout autour. On est en plein milieu de la mer. Attention. Ouais! Attention, Athéna! Ouais! Wow, 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 wow! C'est pas chaud, hein? Oh, c'est pas chaud, hein? Alors, petit virage tranquille. Hello! Hello, Athéna! Attention, dernier virage, Athéna. Là, c'est tranquille. Ouais. Oh, bah, ça avance plus, mais tellement c'est tranquille. Et ça y est. Ouais. Alors, ça t'a plu? C'est cool, hein? Trop top. Là, on voit que les piscines sont nettoyées régulièrement. Elle est chaude. Oh, bah. Ah, oui, t'as raison, Athéna, elle est chaude, hein? Il faut pas les choses à moitié sur le sol. Voilà Calice, tranquille avec l'océan. On va y aller au fond du jacuzzi, il y a carrément une vitre. À la recherche du canard bleu, où est-ce le canard bleu? Ah ah, je le... ça y est, j'ai trouvé le canard. Allez, on y retourne. Ok, allez, let's go! Ouais! Je sais pas si vous la voyez à droite. Coucou.
Oh, mais... Oh, bien. Dernier virage. Ouais. Et là, il est lent. C'est vraiment l'atterrissage tranquillou. Ou pas. C'est... Ok. Tout de suite. Ok, allez, c'est parti Calinus. Yeah. Ouais, il y a le soleil couchant presque. Attention. Ouais. Wow. Et Athéna est là. Attention. Elle nous a vu. Ouais. C'est trop joli le soleil. Ah yeah. Ok. Allez viens, on va dans la grosse piscine là. Allez, on plonge. Donc là nous avons Baymax, hein, ce grand écran dans le Dream. Avec Athéna. Ça va Athéna? Tu t'éclates? Ouais, c'est trop bien. Et là, nous avons Calice, ici, qui regarde aussi le dessin animé. Ça va, ça te plaît? C'est ce début de croisière? Ouais, cool. Trop, trop bien. Et là, le soleil va se coucher. Viens Athéna, on va faire le toboggan avec le soleil qui se couche. Tu veux? On va faire l'aquaduc. Allez, c'est parti Athéna. Allez, go! Ouais, soleil couchant. Ouais. Et Cali, c'est là. Ouais. Coucou Cali. Tu la vois? Ouais. Et regarde, le soleil couchant. Le soleil va se coucher. C'est trop joli. Alors, on descend en pouce. Ok. Alors ça a été? Ouais, allez vite, on va mettre une serviette parce que là on est quand même dans l'océan donc il y a du vent. Hein. Et ça y est, nous venons de rentrer de la piscine. Et voyez-vous ce qu'il y a sur le lit. On a le programme de demain. On a des petits chocolats au lait. Regardez, on a une couverture qui est pliée en forme de crabe. Et a priori, chaque jour, on aura un pliage différent. On a des petits sacs. Pour ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des sacs à vomi si on a mal de mer? Ou la chasse aux bonbons parce que c'est Halloween demain? Je ne sais pas. Et là, nous avons Calice et Athéna qui sont en train de jouer avec leur lit superposé. Ce n'est pas nous qui les mettons. En fait, ils sont coincés là-haut. Il faut une clé à part. Et ils viennent tous les jours descendre les lits superposés. Wow, voilà. C'est chouette. Et bien sûr, le rideau avec la vue sur l'océan. Mais de nuit, on ne va pas voir grand-chose. Hein? Quoique, ça va, c'est pas encore complètement nuit. Bon, toi, on va bien dormir. Hein. Toi, Athéna, bien sûr, tu dors en bas. Et Calice dort en haut. Et Calice peut voir les étoiles. Et ce qui est intéressant, je n'avais jamais remarqué, c'est que les étoiles, en fait, on peut voir Jiminy Cricket. Ah non, c'est pas. Non, ça, c'est dans Peter Pan. Ça, en fait, c'est que Peter Pan. Et ça, c'est Peter Pan. Si je me trompe pas. Voilà. Et là, bah, c'est plutôt cool. Ah, ça bouge. Ça bouge. Bon, allez, maintenant, on va aller manger, je pense. Hein, c'est parti. Allez, c'est parti. Allô, capitaine du Dream. Ou voguez-nous, capitaine, ou devenez voguez, je suis votre moussaillon. À bâbord. À bâbord, toutes. À bâbord, donc à gauche. Alors, se lave les mains avant d'aller manger. C'est parti. Grand accueil. Hello. Hola, comment est-ce que ça? Bien. Hola.
C'est grand, hein? Oh, on va être au calme. Ah, thank you. Enjoy your dinner. Ce soir, on dîne avec Tiana. Papa, il y a marqué Cali. Oh, il y a qui ton nom? C'est pas la classe, ça, regarde. Alors, les filles, ça dessine, ça s'amuse. Et voici donc le pain façon brioche. Vous avez faim, les filles? Alors, on prend une tranche de pain. Il y en a trois autres. Et on peut la tremper. Attends, la c'est sauce. Sérieux? C'est pas obligé, là. C'est mangeable. Et je goûte. C'est un peu façon italienne, quoi. C'est une sauce à l'olive. C'est écrit ici. Bread service. Bon, bah, il n'y a plus qu'à commander ce qu'on veut. Du film? Aussi un hamburger sans fromage. On va demander aussi sans tomates et sans cornichons montagnes. Et voici un hamburger avec fromage, avec tomates. C'est total pour Athéna qui aime tout. Et moi, c'est une petite sauce au homard avec des crevettes. Et là aussi du homard avec des pointes d'asperges. Enfin, c'est très joli. Eh bien, bon appétit les filles. Bon, les petits Mickey. Hey, Athéna est toujours dans son coloriage et Calice a changé de place. Bonjour Calice. Bonjour. Et toi, tu as un petit dessert, une petite tarte aux pommes magnifique, une boule de glace. Et moi, voilà, j'ai pris un soufflé. Un soufflé chaud avec de la crème à la vanille. Alors, Calice et Athéna sont en train de faire dodo. Déjà, c'est la fin de cette première journée après la découverte de ce bateau. La suite de nos aventures demain, alors soyez fidèles et on vous aime. Soyez vous, soyez bien, soyez bon. Ciao. Donc voilà, il y a plein de raies, mais pas que. Regardez.